Bonjour YouTube et bienvenue dans la campagne de Zerbillions. On vient de passer deux vidéos à faire des hordes et des missions héros, c'était vraiment pas la folie. D'ailleurs on avait baissé la difficulté à 25%, on va la remonter tout de suite à 300%, brutal. Et on a surtout 1880 points de recherche à dépenser, donc on va se faire plaisir, faire nos petites emplettes. Là ce qu'on va débloquer, alors le plan, c'est de prendre tout ce qu'il y a à droite là, parce que vous allez voir c'est top. Ça va être potentiellement d'aller débloquer les Thanatos et les Titans, et les exécuteurs. Et aussi de débloquer toute la ligne du bas, transport de pétrole, ça à la limite, aussi c'est vachement utile en fait, finalement. Transport de lingots et transport d'artillerie, ce qui nous permet d'avoir une guêpe à chaque fois que le train arrive. Donc toutes les 12 heures, ou toutes les 24 heures, non toutes les 12 heures il me semble. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, on ne pourra pas tout avoir, donc on va prioriser. Supraconductivité, tourelle de choc, énergie requise, moins 30%. Tourelle de choc, portée d'attaque, plus 1. Les Tesla, c'est pratique aussi. Énergie solaire, moins 20% d'énergie sur les bâtiments, c'est top. Très bien. Transport de pétrole. Transport de lingots. Transport d'artillerie. Et il n'y a plus de points. C'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Je suis plutôt content. Voilà. Et on va se lancer dans la terre brisée. Alors on va lire vite fait, région riche en ressources, ça c'est cool. Hein, compliqué d'y construire une grande colonie. Ok, du coup pas beaucoup d'argent. D'anciens villages maudits, oui oui bien sûr. Ok. Bon très classique, sauf qu'il faut que, entre guillemets, 1600 colons. Il faut tout péter sinon, hein, voilà. J'ai bien résumé, je pense, l'intégralité des missions. Il faut avoir un certain nombre de colons et tout exploser derrière. Bon bah déjà il y a de quoi faire des fermes, c'est plutôt cool. C'est pas très désolé comme, comme zone, très brisée. C'est une grande carte, quoique une carte moyenne. On va directement construire les habitations par là. Ça c'est du... La pierre, ouais, mais je peux l'exploiter, ce truc. Bon, on va partir du principe que oui. Ok. Ah oui, je me souviens qu'il y avait très peu de place. Du coup, pour faire les marchés et les banques, ça va être assez chiant. Je m'en souviens. Et gros avantage, c'est que du coup, quand il y aura des hordes, ce sera beaucoup plus facile à gérer, puisque, bah... Voilà, enfin, elles sont, comment dire... Il n'y a pas beaucoup d'espace pour elles, donc ça va être boulot d'étranglement. Et attention, je vais recevoir du coup de l'or, du pétrole, une guêpe. Et ça, c'est pas magnifique. Donc il me faut aussi des ressources, hein, parce que sans ressources... Le jeu devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Oh, c'est pas facile de placer les scieries là. Oh là 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 là. J'ai vraiment pas beaucoup de place. C'est intéressant d'avoir fait ça. Et ça change au moins. Tout cool, je trouve. D'avoir des missions où la place manque, c'est plutôt cool. Je trouve.
service. Sorry, sir. Our forces are in danger. Cleaning my weapon. Attention. Building completed. Commander? Bon, il va vite devenir vétéran, lui. Hein. Eux aussi, d'ailleurs. Pas trop de raison. Hop. On galère un peu à s'arrêter le train. Ah, c'était marrant. Hop, vétéran. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Ça, on s'en fiche. On va prendre 16 parce qu'au moins on va être on gagne de l'espace. C'est okay? Prochaine vague, jour 20. Oh là là, jour 20 en plus. On a largement le temps de se préparer. Hein. Flûte, il n'y a pas assez de place. Le bâtiment doit être accessible. En quoi il n'est pas accessible là? Tu m'expliques? Pour que je fasse gaffe à ce que le ranger tape pas sur la maison par contre. On va avoir des mauvaises surprises. J'avais pas fait une tourelle là. Oh. C'était une. Bon, on n'a pas de place, donc qu'est-ce qu'on va faire? Attends, sur un marché pour vendre un petit peu tout ce qu'on a en rab. Est-ce qu'on est bien en brutal? Ça m'a l'air tellement simple pour l'instant, bien sûr. Hop.
Le marché, j'ai pas assez de pierres, je n'ai pas assez d'or. Toujours pas assez de pierres. Bonhomme. Le marché, on va le mettre. Ça m'ennuie quand même de détruire le peu d'habitation que j'ai. Mais bon. Au moment, on n'a pas le choix. Hop, on va vite faire des chalets aussi. Ok. Je me souviens que j'avais bien aimé cette mission. Elle était plutôt agréable. Reporting for duty. Oh, more orders.
Je me tape une run d'un wave ici, là je suis un petit peu dans la merde. Ce qu'on va faire, hop, pas de risque. Voilà. Il y a du monde ici. Oh tiens, une harpie. Beaucoup de monde là-haut. Il va y avoir un village. Un bon gros village. Vraiment beaucoup de monde, hein. C'est ouf. Ça arrête plus quoi. Plus que 10 jours, enfin encore 10 jours avant la prochaine attaque, et donc c'est bien long. Où est-ce que je vais mettre mon atelier de pierre? Peut-être le mettre par là. Hein. Il y a beaucoup d'espace ici. Il commence à y avoir du monde, ouais. Bon allez, on y va.
Pas besoin d'attendre d'avoir que des vétérans. Il est temps de nettoyer un petit peu la zone. 1000 d'or à l'atelier de pierre. Hop. Beaucoup de harpies aussi. Beaucoup, beaucoup de harpies. Non, ça y aura du monde là. Ah, oups. What? C'est où ça? Oula! This is it. Our forces are in danger. Our colony is succumbing to the infection. Oh non. Je veux pas perdre comme ça. On va envoyer un petit peu de soldats par là maintenant. Le risque qu'on a pris, on n'a pas envie de le reprendre. Donc vous, descendez, vite. Non, vous, passez pas par là. C'est complètement débile ce que vous êtes en train de faire. Vous allez passer par là et ensuite aller là. Il commence à y avoir du monde là. Mur de pierre. Oh là là. Hop, tour de choc pour la vague du niveau 20, enfin du jour 20. Tell me.
Understood. All right. Great eye, boarding for duty. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Ok. Hop. Hop. Il n'y a plus rien. Ça c'est pas très bon ça. C'est bon, heureusement qu'il y a un... Oh, ça c'est pas bon du tout ça. Ils sont arrivés au bout. On va laisser deux vétérans pour les random waves. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? On peut peut-être plus passer là. Just guide me to the infected. Attention. Just tell me what to do.
Any orders? Reporting for duty. Is everything okay? Our forces are in danger. Tell me. Let's go. Come on. Ready and waiting. Corps du monde là. Our soldiers are in trouble. Great idea. Reporting for duty. Ah, il est intense hein, ce niveau-là, je vous le dis. On transpire. Et là, on va mettre un petit peu de pause pour réfléchir un peu. 4, 23. Très bien ça. 7. 7. Et 21. Ah. Oh, puis là, j'ai beaucoup de place. Là. Il y a encore une baraque là, un village. Ah oui, il n'y en a pas qu'un peu. Hein. C'est pour ça qu'il y avait autant de zombies qui venaient. On est tout le temps obligé de séparer ces troupes en deux, par contre c'est pas idéal. Comment on va construire là? J'ai pas de place. Oh, j'ai plus de bois de façon. Il me faut plus de bois. 12. Est-ce qu'il y a des forêts ailleurs? Oui, 7. Pas beaucoup de forêts. Hein. Commander? That will be easy. Our soldiers are in trouble. Perfect. Do you need me? Attention. For building the humans! Orders, sir. Attention. Reporting for duty. Building completed. Units under attack. Je peux pas l'annuler. Pas grave, je vais perdre. Un autre jeu aussi, les bandes. Je vais les emmener sur le. Sur les. Gap. Alors ça là, ça c'est dangereux par contre. La harpie qui arrive. Pas trop ça. J'ai 19 guêpes.
attack. Reporting for duty. Our defenses are being attacked. Just guide me to the infected. Bon, il va me falloir plus de casernes. C'est bientôt la vague, j'ai perdu quasiment tous mes soldats. Enfin, quasiment tous. Ouais, si, quand même, une très grosse part. Hein. Donc c'est pas la joie. L'ouest, ça peut être deux endroits. Ok, c'est là. Ah, ils sont vraiment cons. Ça tiendra, il y a la tour. Oh, c'est juste quand même. Hein. Oh, faut qu'elle se charge. Ouh là 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 là, ça attaque de partout en même temps. Pas très correct ça. Pas nécessairement très simple à ce niveau, comme pouvez-vous vous en rendre compte là. On va pas dire que je m'en sors non plus comme un chef. Oh, vous avez pas vu. Pour ceux qui m'engolissent comme ça là. Pourquoi pas.
trouble. Great idea, for duty, sir. Is everything okay? Orders, sir. Reporting for duty. Attention. Building completed. Units under attack. Attention. Building completed. Reporting for duty. Attention. Building completed. Il me faut plus de pierres aussi. Oh la vache, je peux rien prendre là. On est vraiment serré, hein. Là-bas, on est arrivé au bout de la map. Ils font n'importe quoi. Attention. Building completed. Just guide me to the infected. Let's get them! Great idea, sir. Ready and waiting. They are attacking the colony defenses. Reporting for duty. Let's go. Attention. Building Any completed. Orders? Is everything okay? Reporting for duty. Our soldiers are in trouble. Reporting for duty. Reporting for duty. La banque, est-ce que je peux la mettre là? Ça m'étonnerait. Voilà. Est-ce que je peux la mettre là? Oui. C'est une maison en trop, mais bon. Pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez me dire, ils font ce que je leur ai dit de faire. C'est vrai. Et ils pourraient réfléchir un petit peu avant de le faire, quand même. Attention. Building complete. Just tell me what to do. All right. Is everything okay? Reporting for duty. Attention. Reporting for duty. Reporting for duty. Attention. Building completed. Just guide me to the infected. Our buildings are
being attacked. Our colony is succumbing to the infection. Où ça? C'est où? Dis-moi. Ah, c'est ça là? Ça va. Ça va. Putain, j'ai plus assez d'or. Qu'est-ce qu'elle couvre ma banque? Elle couvre presque rien, hein. C'est quoi ça? Pourquoi ça couvre si peu? Ce qui va être drôle aussi, c'est pour mettre l'auberge. D'ailleurs, on va se passer d'auberge pour... pour ce tour-là. Hein. Oh vache, beaucoup de venom. Vague dans 6 jours. Ça dépend où ça va attaquer, mais globalement, pas trop peur. Ça ne m'inquiète pas des masses. Bon, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ça, je sais pas. Oula, nul, nul, nul. Un petit peu de bois, ça va faire du bien, parce qu'on a besoin de bois. Ça.
Oh bah donc. Bon, on va inverser parce qu'il y a l'air d'y avoir plus de bonhommes là-haut quand même. Oh, il y a vraiment beaucoup. C'est assez ouf quand même. Et de la nourriture. La nourriture, c'est facile. Il y a beaucoup à pêcher en masse. C'est dans. On peut pas faire de mooling. Qu'est-ce qu'il restera après? Ici, il doit y en avoir pas mal aussi. Là, je pense pas. Donc, il reste plus que 2 jours avant la prochaine attaque. Ici, c'est protégé. Ici, c'est protégé. Ici, c'est pas du tout protégé. Let's go. The train has arrived at the station.
En même temps, on est arrivé au bout là. Donc on va protéger ici. Ici, ça s'arrête plus. Hein. Plus assez de ressources, oui, effectivement, plus grand chose. On va reculer un peu là parce que c'est bientôt. Bientôt le jour de l'attaque. Il va falloir qu'on commence à se préparer. Ok, bon, ici il n'y a rien. On ne se fera pas attaquer par là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, on est au bout aussi. Donc, le seul endroit où ils peuvent attaquer, c'est là. On aurait peut-être dû le voir plus tôt, ça, mais bon. L'ouest, donc ça peut être en haut et en bas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même. Oups, non, pas eux. Surtout pas eux. On va séparer nos équipes. Il y a de quoi les arrêter là. Plus de chances que ça arrive ici, je pense. Pour aucune raison spécifique. Non, mais ça arrive par là. Très bien. Bon, normalement, les tours que j'ai, ça suffit. Hein. On va faire un petit pari, là. Ouais, bon. Aucun risque. Il y a des petites random waves, quand même. Under attack.
Oh, ça met du temps quand même, hein. C'est pas... pas non plus si simple. Voilà. On va finir de nettoyer là-haut, là. Ici d'abord. Beaucoup de mineurs ici. N'importe quoi. L'auberge. Je sais pas assez, il me faut quoi? De la nourriture, de l'énergie, de la pierre. Ça me coûte rien, ça. Petites erreurs comme ça, c'est pas grave. Ouf. Ah, ce petit obstacle là, il est compliqué. Hein. Donc fonderie ou auberge, il me faut de la nourriture, mais de la nourriture ça va arriver. Oh oui, oh là là. Bientôt fini ça. 439 de nourriture, allez hop. il me faut quoi? De la pierre? Je sais pas beaucoup de pierre. Ah mince, non. Alors, l'auberge. Non, il me faut de l'énergie maintenant. Prochaine attaque vague, jour 44. Ah oui, vraiment? À ce point-là? À chaque fois, j'oublie que je suis en train de faire un objet, un bâtiment, et j'ai besoin d'économiser
mes ressources. Chaque fois j'oublie. Hein. C'est terrible. Bon, on va monter à 200, comme ça on va faire les deux bâtiments d'un coup. Voilà, alors. L'auberge, elle va être là. Très bien. Hop, ça se dégage. Ah, c'est con ça. Oula, j'allais détruire toutes mes mines de pierre là. Le misclic assez courant dans Zerbillions. Faites-y très attention. Voilà, l'auberge. Et j'ai détruit des maisons du coup, en bon prince. En bon dirigeant, je reconstruis les maisons et j'ajoute même un petit peu de rab. Voilà. Et j'ai plus assez d'argent pour la fonderie. Oh, 3000 d'or. Après de les avoir. Units under attack. Attention. Building complete. Ready and waiting. Our forces are in danger. Bon, quand est-ce que j'ai de l'or là? Attention. Building completed. Perfect. Our soldiers are in trouble. Ready and waiting. J'ai beaucoup d'or. Et on va faire les merveilles aussi, donc l'Académie des Immortels en first. Je viens de me rendre compte que j'avais inversé mes écouteurs, j'avais le droit à gauche et le gauche à droite. Je comprenais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'entendais les sons à l'envers. Et voilà, c'est important, sachez-le. Sniper, pourquoi pas. Hop. Hop. Assez de bois. On va régler ça là. Hop. Hop. Attention,
Ma petite fonderie, oui, je l'ai mise là. On l'a amélioré, carrière améliorée. Il me fallait 1600 de bonhomme, je suis large. Je vais essayer d'en ajouter un petit peu, parce que j'ai beaucoup trop de ressources. Ah, mais si j'ai trop de ressources, ça veut dire que je peux faire un truc qui coûte cher. Voilà. Là où je vais le mettre pour que ça gêne pas, ici. Hop. Et je peux faire l'autre aussi dans la foulée? Non, bien sûr que non. Allons. Prochaine vague dans 5 jours, on sera largement prêt. Ouf, assez de ressources. Il me faut de la pierre, s'il vous plaît. Voilà. Et pouf. On va faire la bonne vieille stratégie. Tourelle de choc, soldat, guêpe. Ça devrait passer plutôt facilement. On va peut-être mettre des maisons quelque part. On va réfléchir, on va mettre des maisons. Je pense qu'on va mettre des maisons ici. Oh, pas mal. Est-ce que j'ai couvert tous les coins? Là c'est couvert. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre. Que ça vienne. Oh, ça coûte cher, 500 d'or, waouh, pas donné. Attention, building completed.
Attention. Building completed. Attention. Building completed. J'aurai besoin de plus de pierres aussi, donc elle, on va aller les améliorer. Ah, faut que je recherche. Non, c'est bon, j'allais. Building completed. Attention. Building completed. 900 d'or, waouh. Il va me falloir du fer aussi pour les... Et de l'or pour les guêpes. Bon, en fait, faut que j'améliore toutes mes carrières hein, sans trop réfléchir. Attention. Building completed. Qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Un Thanatos, ça m'intéresse, ouais. Thanatos, je prends. Je vais le mettre là, hop. Par contre, j'ai pas assez de pétrole. Pareil, ça coûte cher, ça. On va essayer de le mettre à proximité d'un entrepôt. Prochaine vague dans bientôt là, ça va arriver. Peut-être la dernière. Mais en même temps, je pense pas. Ready and waiting. Do you need me? All right. Orders, sir. Do you need me? Perfect. Nothing better than putting a bullet through some brains. Commander, let's go. At your service. Attention. Building Any orders? Completed. Perfect. Attention. Building completed. A swarm of infected is heading into the colony. No. Moi, j'ai plus de fer. Ah mais j'étais voilà. J'ai des guêpes en cadeau moi. Ça en donne beaucoup hein. Chaque fois que le train arrive, ça m'en donne une. Mais j'en ai vraiment vraiment beaucoup. Donc il doit venir souvent le train, toutes les 12 heures je pense. Non, c'est plus que ça, voilà. Pas encore touché les murs. Ça y est, ils ont touché les murs. Ce qui est bien, c'est qu'avec la nouvelle portée d'attaque des tours de choc, je peux réparer mes murs au moment où ils ont tiré. C'est pile poil la distance qu'il me faut. Alors, faut pas traîner, hein, mais. Et si vous martelez X. Vous réparez vos murs au passage, donc. Plutôt simple. Voilà, j'ai pas vraiment besoin de m'embêter avec ça. Mettre de pétrole ailleurs. J'ai pas beaucoup de pétrole. C'est random wave ça. Ouais, bah je peux. Y a pas d'autre champ de pétrole a priori. Building completed.
completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Des maisons, j'ai plus de chalet. Réussi à faire une sacrée colonie. À poser les guêpes. Let's put this awesome body to use. Waiting on orders. Hop, c'est fini pour les guêpes gratos. Maintenant on paye le prix fort. Il n'est plus assez de ressources. Un Thanatos, oui, je prends. On va le mettre là-haut. Ah, ça coûte cher les guêpes. C'est pas donné. Ça me rappelle un petit peu les premières missions où on s'ennuyait et où j'ai augmenté la difficulté. Parce qu'on attend là. On attend que, que les zombies arrivent. Tout simplement. On se prépare pour une vague qu'on va repousser facile, normalement. De toute façon, si vous payez le luxe d'attendre, ça veut dire que vous avez largement assez de ressources pour constituer votre défense. Et normalement, si vous faites pas n'importe quoi, ça veut dire que vous avez largement de quoi les repousser. Thank you.
Sorry, sir. I was cleaning my weapon. What? Cool. Teleporting for duty. The train has arrived. Let's go. At the station. Come on. Let's put this awesome body to use. Just let me finish my cigar. Reporting for duty. Slow and lethal. Orders, sir. All right. Ready and waiting. Non, ça va, vous? At your service. Ça va, on s'ennuie un peu, là. Reporting for duty. Ça va y rester 5 jours, hein. Ça passe vite 5 jours. Of course, my commander. I'm the freaking boss. Commander, at your service. Just tell me what to do. Reporting for duty. Any orders? Tell me. The train has ready arrived and at the waiting. Station. Let's go. Do you need me? Voilà. Et bon bah. Allez, plus que 4 jours. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en 4 jours? On va améliorer un petit peu notre production de nourriture. Pour tenir pour l'hiver, tout ça. Pardon messieurs. Je mets une ferme. Proche de la forêt, c'est vraiment un emplacement de rêve. Ils pourront même aller chercher à manger à la ferme du coin. Voilà. Attention, building completed. Attention, building completed. J'ai plus d'énergie. Bon allez, je coupe la vidéo et puis je vous reprends dans 2 jours et demi. Allez, à tout de suite. Hop, ça arrive. Plus tôt que ce que je pensais. Je pensais que ça allait taper à partir de la vague 56. Enfin, jour 56. Bon, j'ai rien fait de nouveau. Hein. Voilà, si j'ai rajouté des maisons par-ci par-là. Et j'ai surtout une petite force d'intervention de 69 soldats pour l'instant. Au cas où... ça se bat en cacahuète quelque part, bah je pourrais envoyer vite fait les soldats. Par exemple, pour remplir les tours.
Les ressources, ça y va. Pas de problème. Allez, c'est parti. Oh, ils m'ont détruit une tour de choc, les sales bêtes. C'est bon, je peux la réparer. Hein. Donc c'est là-haut que ça craint le plus. Ouais, j'ai perdu un mur quand même, hein. c'est pas rien. Au début, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait des grassouillés, des harpies, des venoms. Mais voilà, ils sont morts maintenant parce qu'ils étaient devant. Maintenant, c'est bon. Ouais, c'est très ambitieux ce que j'essaie de faire là. Voilà, j'ai pas perdu de mur pour l'instant. Là ça touche pas, ça touche même pas, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Alors pourquoi ça touche là-haut? Bah ouais, juste c'est plus large, j'aurais mis une deuxième tour de choc, ouais même pas. Elle sert à rien clairement. Ça touche plus nulle part. Les derniers sont là. Très bien, j'avais même pas de bâtiment de mur endommagé à la fin. Bah voilà, c'était somme toute très intéressant, j'ai bien aimé cette partie. Ça change en tout cas d'habitude, donc c'est plutôt cool. Puis plutôt facile aussi. Voilà. Donc, bah dites-moi si vous avez bien aimé cet épisode. Moi, j'ai trouvé vraiment cool. Hein. Plutôt chouette. Eldorado, ce sera ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous pour pouvoir la voir. Et je pense qu'on se rapproche, je le dis à chaque fois, on se rapproche de la fin. S'il doit y avoir une dernière mission là, une là, et peut-être encore deux. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vidéos max. De juste de base, parce qu'il va y avoir évidemment des héros et des hordes,
Mais voilà, abonnez-vous pour aller le voir et liker, commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis du coup, on se voit à la prochaine vidéo avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et ciao !